Regarde là, on est en famille, c'est bon. Mais il reviendra, hein. Reste, il reviendra. Attendez, on a un Verdi gris, ça te fait chier. Il est pur produit de la maison nantaise. Mais c'était pourquoi, espèce de gland c'est... Ah. C'est une plombe qu'elle t'attend, ta bière. Bayonetta. Ah, oui. Pardon. Ah, et oui. Eh bien, il reste une coupe magnifique puisque tu vas avoir le droit à un commentaire très pertinent, papa. Je pense qu'on va bien s'en jaillir. Alors, le match démarre. Donc, si on abuse, on sera plus sur Yoshi Cloud, évidemment. Satoshi a également un Ryu, faut le savoir, en seconde d'arrivée, mais pour l'instant, il sort son main contre Verdi et il a bien raison parce que Verdi, c'est pas le genre de joueur pour qui tu t'amuses avec tes secondes d'arrivée. Et ça part sur Smash Deal. Pour l'instant, on cherche le mal. Et le Yoshi cherche à péter avec le DR également. Le dopper en sortie shield. Ça sera pas, mais Edgeguard qui suffira à prendre cette stock. Parce que la route de Yoshi, on sait que c'est un costaud. Et Satoshi aurait ici super bien profité. On va essayer de voir comment Verdi. Je trouve que le poste est absolument terrible. Mais en tout cas, belle patience de Satoshi qui essaie de bien profiter de son avantage et de sa simple d'avance. Bientôt. Il y a quelqu'un qui s'est pour repos. Ah bah voilà, on a le retour de l'image en direct. Ouais, désolé, je suis en train de faire le setup. Et du coup, le up smash qui prendra cette stock donc. Une stock partout. Mon cher Usbek, ça me fait très plaisir en tout cas de commenter avec toi cette game de Winner Sony. Entre les deux Nantais. Mais écoute, là il y a quasiment 100% d'avance, hein, 90% d'avance. Satoshi qui s'il charge sa lutte deviendra très dangereux. Il va être en énorme pression sur le Yoshi qui a plus droit la foi à l'erreur. C'est vrai. Il est presque chargé si j'ai bien vu. Dis-moi où tu mets, comme ça on verra la fin de ça c'est beau. Et voilà, Claude qui a cherché sa limite. Ce que ça veut dire. Ah, il y a une utilisation intéressante, je pense, à dire bisextile de la limite. Le père ici qui conteste complètement. Il y a les sur le sol et non, Satoshi. Bah, normalement, c'est le Dobby Yoshi, il faut quand même se lever de bonne heure pour l'interrompre si tu veux. Ah, mais... Sauf quand t'as une épée qui, sauf fait, que Claude, fait, voilà. Qui fait une bonne taille, on va dire. D'accord. Et, j'allais partir sur d'autres balles. On est d'accord, c'est pour compenser quelque chose. Bon, c'est pour. Non, mais de toute façon, voilà. Ceux qui ont un 4-4 et ceux qui ont une épée de direct, évidemment, tu sais très bien que. C'est qu'il y a quelque chose à compenser quelque voilà, part. Il y a un manque autre part, on dira pas moins, évidemment. En attendant, ça fait donc 1-0 pour Satoshi. Ouais, déjà, et retour sur Smash Vite, donc apparemment, ça fait aux deux protagonistes de ce match. Ça. Donc Satoshi, alors, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas trop, je pense à ceux qui sont sur le stream, c'est un joueur très local, très présent sur la scène nantaise, assez du coup. Bah, disons que c'est pas un joueur qui se déplace hors Nantes. Mais cela dit, là où je veux en venir, c'est que c'est pas non plus un joueur sur lequel tu tombes sans l'envier. Il a un très bon cloud, il tape pas mal de jeux. Et il progresse de plus en plus. Et là, sur cette fin de Smash 4, bah, écoutez, il commence à avoir un niveau, ma foi, tout à fait intéressant. Ça. Il a eu un petit période passage à vide, il ne jouait plus trop au jeu et. Bah rappelons-le, Satoshi, oui en plus ouais, il s'est concentré sur ce qui s'appelle des études. Et les études, bah je parie que c'est important. Ça doit être un Pokémon, je ne sais pas. Ouais, j'ai un ami qui a fait ça. Tu l'as revu ou pas? Hein? Tu l'as revu ou pas cet ami? Non, j'ai. Ah d'accord, ok. Mais là parce qu'il étudiait, je te vois. On en a rien à faire du match alors que. Oh là là, donc voilà. Dès que j'en ai rien à faire du match, il fallait que je regarde pour qu'il y ait un joli fer spiké de la part. Oui, on parlait un peu de la méta des persos, mais quelque chose se passe des choses. Ouais. Et qui était. En fait, elle avait perdu la première stock vers Vigri, donc plutôt intéressant là. Le match que nous fait Satoshi, qui va faire une pluie de paires, bien stoppée par Bundy là de la part de Verdi. Bon, il faut que Verdi arrive à profiter de ce moment, il le met dans les airs et c'est qu'il profite de son avantage, c'est là où tu pourrais avoir le mal à atterrir. Yoshi aime bien le juggle. C'est ça.
Oh, qu'est-ce que ça a touché ? Mais oui, ça a touché. Ça a touché le dernier. Le dernier. Et heureusement, ça a pas tué. Pour la limite, je pense. Et c'est jeté le dernier de la limite. Oh, ce bug. T'as été cherché après d'ailleurs, Bakar. Et bah, ma foi. Ça touche qui touche aussi. Les matchs. Et bah. Est-ce que le bac. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le bac n'aurait pas transcendé? Alors j'ai pas envie de parler de moi. Sato, est-ce que tu as eu ton examen? T'as eu ton examen ou pas? Est-ce que c'est pas difficile? Ah, il n'a pas encore les résultats, donc il est en plein stress. Et ah, il n'a pas les résultats? Il n'a pas encore eu les résultats. Oh ouais. Apparemment. Et n'empêche, le fait de ne pas savoir son résultat, il le rend plus fort. Bah c'est ça, le doute l'habite et le doute l'habite et pas qu'un peu d'ailleurs. Hein. Et ça met 2-0 à Verdigris. Bien vu, Yosag. Oui, on m'entend pas assez peut-être. Ah. C'est mieux. Effectivement. Je t'en ai pas assez ta belle voix. Madame, je sais pas, on m'a dit en régie qu'il fallait que je rapproche le micro, alors tout ça dans le chat. Évidemment, oui. Si c'est mieux, si vous entendez, bah, dans la régie, dans la série régie, c'est un coup. T'as demandé de rapprocher le micro. Mais oui, voilà, tout à fait. Mais donc, allez. Hugo, tout à fait, c'était juste pour une référence à ce que j'ai un ami qui fait ça. Très bon film d'ailleurs, vraiment le grand cinéma français dans le monde. Alors, j'aurais dit la première partie, oui, très bon film. Après la deuxième, mais bon. Ouais, Yamach. Yamach, oui, c'est vrai. Et on est parti sur Tonen City d'ailleurs. Puisque Smashville ça ne marchait pas visiblement. Et ben exactement. Et donc par se dire que Smashville c'était pas son terrain. Et a décidé d'aller tenter sa chance sur Tonen City. Oh là là, encore ce side B. Avec les stats de Yoshi aussi. Mais qu'est-ce que tu vas essayer d'Edgeguard, mon petit? Tentative d'Edgeguard sur Yoshi. Pourquoi tu veux Edgeguard? Ça tournera l'explication que c'est passé. Mais oui, non, pour dire Yoshi profite bien des stages à plafond bas que son repère et tuer ses armes pour tuer, ainsi que son up smash, deux moyens pour lui de tuer par le haut. Absolument. Il sera sans doute assez à l'aise sur Smash Bros. La fois. Oh, ils aiment bien ce setup à l'œuf. Il adore ce setup à l'œuf off stage alors, comme ça. Le matchup contre Verdi ne restait pas sur l'edge à la fin en soupe en shield. Il se fait tout le temps. Ah bah si vous avez vu, ouais. Avec un peu de malchance, calé un de mer. Oh le EP! Le EP qui m'a tué! Oui. Oh là là, incroyable! C'est incroyable! Je n'ai jamais vu faire ça! Et il développe des stems! Ah mais clairement! Ah ça fait plaisir en tout cas de voir Satoshi jouer comme ça! C'est vrai qu'il avait un club qui était certes correct, mais j'avais l'impression vraiment que c'est vraiment plus ce perso qui le faisait développer, il se faisait un peu porter par le perso, j'avais l'impression, et là, midi de rien, plus ça va et... Yoshi Satoshi ? Oui. Ah non, enfin j'ai vu... Oh là là ! Mais ce sera... Ça va tuer ! Ce sera 3-0, Satoshi, qui 3-0, Satoshi, Verdigri. Il confirme ce que... Winner semi. Donc on aura une winner finale en last Satoshi, je crois que c'est inédit. En last Satoshi en winner finale, ça me semble jamais vu. Winner finale est inédit. En tout cas pas sur Nantes. Hein.